Je pense qu'on est en état de résistance depuis l'élection de Bolsonaro, qui malheureusement a plongé le pays dans une crise de la pandémie, mais aussi une crise économique, sociale et culturelle, vraiment sans égale. Donc on est dans la résistance. Notre cinémathèque brésilienne est fermée depuis un an et quelques maintenant. Les productions sont suspendues, c'est très très dur, mais on va retourner cela.